il fait trop faire ce mouvement, après il a trop d'angle, puis ça fait des plaques. Bon, il faut juste ce qu'il faut. Quoi. Alors il est lent parce qu'il va chercher ce qu'on lui demande, l'écrivain. Là, vous pouvez venir devant maintenant si vous voulez. Moi, je le déplace en arrière, je sais, donc, là, vous voyez bien ce qu'il m'a fait. Encore une fois. Alors, il va écrire les jaquets de veau, 30 plumes dans l'encrier, change de ligne, et les chauds, 30 plumes dans l'encrier, change de ligne, à Neuchâtel. Les deux premières lignes, vous allez le voir en surface, puis après, je vais le tourner, puis vous allez le voir fonctionner. Alors, tout est prêt, tout est prêt, tout est bon, c'est bon. Là. Alors, maintenant, il y a une majuscule, c'est moi qui fais un petit peu l'espace. Toujours en bougeant les yeux. Là, il y a un petit espace parce qu'il y a une majuscule. Un petit espace en plus à faire. Quand il écrit le T, vous allez voir, il va descendre, il fait la barre horizontale et il continue. Le E. Maintenant, il fait le T avec la petite barre et l'autre majuscule. Une majuscule, je pousse. Alors maintenant, il va changer de ligne. Il va tremper sa plume dans son encrier. Le Z. Il trempe sa plume dans son encrier. L'encrier va partir sur la droite rapidement et il y aura un changement de ligne. Attention. Le changement. Ça, c'est rapide. Hein. Puis maintenant, le E, le T, descend la petite barre. Et il continue son texte, les choux. Il y a beaucoup d'enclenchements pour le mécanisme de l'écrivain et de déclenchement. Les deux autres automates, ils fonctionnent sur une même rotation en faisant beaucoup plus de mouvements. Mais lui, puisqu'on peut le programmer, alors forcément, il y a beaucoup d'enclenchements et de déclenchements. Deuxième changement de ligne, après vous allez voir, je vais tourner puis vous allez voir le mécanisme. L'encrier qui part sur la droite, c'est important qu'il ne puisse pas changer sur la droite. Et maintenant il écrit à Neuchâtel. Alors vous avez le disque de programmation qui fait un 40e de tour ou 9 degrés, et vous avez la lettre suivante. Maintenant il écrit M, changement, le E. Vous voyez, il suffit que ça monte un tout petit peu trop au passé, puis la lettre est moins bien écrite. Hein. Le U, le C, le H, le A, le T, le E. Non seulement il est compliqué, mais il est très beau, hein, l'écrivain. Maintenant, il n'aurait pas assez d'énergie pour refaire un nouveau texte complet. Il arriverait à peine à terminer sa première ligne. Donc, il doit être remonté à deux endroits à chaque démonstration, l'écrivain. Voilà, vous pouvez vous rasseoir maintenant.